Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série Métamorphose et on a vu dans d'autres émissions comment Dieu transformait littéralement la vie de personnes qui changeaient leur existence et leur destinée éternelle. On a vu que le Seigneur Jésus a aussi expérimenté une métamorphose, mais celle-là, inversée, lui, le Dieu Tout-Puissant, est devenu un homme. Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu va aussi transformer le monde dans lequel nous vivons. Bonjour, mon cher Martin. Salut, François. Tu sais que je suis un cinéphile. Oui. J'aime beaucoup le thème dans les films de la fin du monde. On en a quand même eu plusieurs dans les dernières années. Ce que j'aime, l'idée de la fin du monde, bien, j'aime ça, je vais au cinéma regarder ces films-là. Mais dans ces films-là, on arrive souvent à la fin puis que tout est presque détruit et un petit reste qui arrive puis qui veut recommencer en neuf. Puis je ne sais pas si les gens croient vraiment à un jour une destruction comme ça, mais on aspire tous à ce qu'on puisse un jour peut-être changer les choses. Hein. On aimerait ça, en fait, recommencer à zéro parce que on est tous conscients que le monde dans lequel on vit, il n'est pas idéal. Non. On l'a vu hein, dans les émissions passées, comment notre monde est rempli de violence, de guerre, d'abus, de maladies. Puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui crie que ça ne devrait pas être comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, le monde sera rétabli et va redevenir au plan initial que Dieu a voulu au tout début. Mais est-ce que c'est utopique de penser que notre monde va changer? Écoute, je pense que les gens pensent que c'est utopique, mais je suis tellement d'accord avec toi qu'il y a comme une aspiration que le monde change. Et on a posé la question aux gens, croyez-vous à la venue d'un monde meilleur? Oh, j'aimerais bien, on aimerait bien, mais je pense que ça change pas le monde, hein? On dit tout le temps, tout le monde, demain, tout va changer, mais ça change pour le mieux. J'espère vraiment. J'y crois, oui. Après, est-ce que ça sera le cas? Je sais pas. Bien, monde meilleur. Moi, quand on parle de monde meilleur, on pense quand on va mourir, on va aller au ciel, mais il n'y a pas personne encore qui est venu me dire comment ça se passe l'autre bord. Fait que moi, je crois pas trop à ça. Je vais le savoir, mais que je meurs moi-même. La venue d'un monde meilleur. Moi, j'essaie d'être une meilleure personne tous les jours. C'est ça qui guide ma vie. Le monde meilleur, c'est une utopie qu'on essaie de vivre, mais c'est difficile. Hein? On le voit au niveau international, qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements dans toutes les générations. Il y a des choses qui changent. Le meilleur, on espère que le meilleur reste à venir, mais malheureusement, l'histoire se répète, puis c'est ce qu'on voit avec l'Ukraine. Je crois qu'on va vers une destruction. Je crois que c'est total. Bien que on essaie de pas se rendre là. Je l'espère, en tout cas, de tout cœur. J'espère que nos politiques et nos gouvernements feront en sorte de le construire et qu'on le construira tous ensemble. Je suis assez optimiste, en tout cas, et je pense que la nouvelle génération est pour beaucoup dans tout ça et qu'on va essayer, justement, de fonder un monde meilleur. Oh que oui, bien sûr que je crois en la venue d'un monde meilleur, mais ça sera pas nos gouvernements qui vont nous créer un monde meilleur. C'est le Christ, le roi. Il n'en a juste un. C'est le roi. C'est mon roi. C'est le roi de la terre. Je fais partie de son héritage, en fait. Martin, j'aime beaucoup ce que j'entends. Et j'aimerais remercier les gens qui répondent à nos questions, qui se prêtent à l'exercice. C'est très apprécié. C'est un beau complément à notre émission, en fait. Mais je suis un peu bouleversé de voir l'espérance déçue. Et quand je dis espérance déçue, c'est en même temps qu'il y a une espérance, il y a aussi la déception. Tu sais, même dans le ton de la voix, on entend que ça ne marchera pas. On peut même parler de que les gouvernements vont régler ça. On peut parler que la nouvelle génération, tu sais, les jeunes femmes, là, tu sais, la nouvelle génération, là, ils vont sûrement faire quelque chose de différent. Tu sais. Il y a un monsieur qui dit malheureusement, l'histoire se répète. Ouais. Puis j'ai l'impression que même si on arrive à faire quelque chose, bien, on va quand même toujours trouver une manière de défaire ce qu'on a fait. Hein, c'est un peu l'histoire qui se répète. Le dernier intervenant, moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Hein, c'est Jésus, le roi, qui va revenir régner sur la terre. Mais c'est sûr que la majorité
ne croient pas à un retour de Jésus. Puis surtout, dans le passé, on a souvent entendu même des dates. Hein? Mm-hmm. Jésus va revenir telle date, et ça s'est avéré faux. Alors, c'est sûr que maintenant, quand on parle du retour de Jésus, on fait rire de nous un petit peu plus. Tout à fait. Écoutez, après la pause, je reçois Samuel Plante et on va encore parler avec lui de ce sujet merveilleux, de cette transformation finale que Dieu va accomplir pour ceux qui sont les siens. Tu sais, on entend souvent ça, il me semble que je veux être le vrai moi, je veux être un être humain complet, fini le péché, fini la souffrance et fini la mort. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Dieu prend du vieux puis il va faire du nouveau avec nous autres. Il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus d'attente. Tout va être réalisé. On va connaître Dieu comme il nous a connus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.